Une députée conservatrice a soulevé une certaine controverse à Ottawa aujourd'hui. Raymond, l'élue albertaine a demandé à une ministre francophone de lui répondre en anglais. Voilà, ça s'est produit devant le comité du patrimoine où témoignait ce matin la ministre du patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge. Écoutez comment ça s'est produit, suivi des réactions qui s'en ont suivi. Minister, I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your Liberal colleagues. I realize it's completely your choice. We're a bilingual country, but if at all possible, I'd love to have it. Rappel au règlement, Madame la Présidente. Rappel au... Je vais répondre dans ma langue maternelle parce que j'ai beaucoup de respect pour les questions de ma collègue, puis je vais être certaine d'utiliser le bon vocabulaire et de répondre de la bonne façon. Une bonne vieille réminiscence de ce bon vieux Ouest canadien, de ce bon vieux speak white. Parle-moi en anglais, moi je parle anglais, fait que t'es au Canada, tu dois me parler en anglais. Bon, c'est important, c'est grave. Madame Thomas, on dirait qu'elle comprend pas où elle est. C'est extrêmement méprisant pour le français, puis ça va même à l'encontre des droits des parlementaires. Alors, nous avons tenté d'obtenir des commentaires des conservateurs. Aucun député du parti de l'opposition officielle n'a voulu s'arrêter devant nos caméras aujourd'hui. Il y a par contre le député conservateur Joël Godin de Portneuf, qui est critique conservateur en matière de langues officielles, qui nous a téléphoné. Selon lui, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau, pas matière, selon lui, à écrire un roman. Et la députée, la principale intéressée, Rachel Thomas, s'est excusée en après-midi. Vous allez voir sa déclaration. Madame Thomas qui écrit aussi que les conservateurs soutiennent le bilinguisme officiel, Sophie. Ouais.